Une enfant de cœur. Je m'appelle Jeanne-Françoise Frémiot, nommée communément de Chantal. Je suis native de Dijon, ville capitale du duché de Bourgogne. Jeanne fut d'abord une petite bourguignonne, à la mine rondelette, enjouée, rieuse, futée à souhait. Privée de sa maman quand elle n'avait pas encore 2 ans, cette absence a été compensée par l'affection d'une tante et surtout d'un père qui l'a profondément marquée dans sa formation chrétienne. En particulier, il lui a fait comprendre que « Si je n'aimais pas les pauvres, il me semble que je n'aimerais pas Dieu. » Dès qu'elle eut l'usage de la raison, Jeanne prit la Sainte Vierge pour mère. Et toute sa vie durant, elle tiendra envers elle une tendre dévotion. Voyez comme nous avons tout en Marie, et avec quel soin et confiance nous devons recourir à elle. Si nous sommes enfants, elle est mère. Si nous sommes faibles, elle est Vierge puissante. Si nous avons besoin de grâce, elle est mère de la divine grâce. Jeanne de Chantal, une épouse, une mère de cœur. À 20 ans, Jeanne épouse le baron Christophe de Chantal. Laissant de côté ses goûts personnels, elle s'occupe des affaires du château de Bourbilly et de la propriété avec bonté et fermeté. Mère de 6 enfants, dont 2 décèdent peu après la naissance, elle déploie avec eux toute sa tendresse. Mais hélas, Jeanne a 28 ans quand son mari, le baron de Chantal, meurt dans un accident de chasse causé involontairement par son cousin. Inconsolable, elle prendra plusieurs années à pardonner comme l'a fait son mari. Alors, elle, qui ne sait pas faire les choses à moitié, ne pardonnera pas seulement à qui avait brisé son bonheur. Elle sera même la marraine d'un de ses enfants. Ainsi font les saints. La voici veuve, apparemment brisée, mais qui trouve en Dieu la force de continuer à marcher. Sa famille, les pauvres et les malades seront l'objet de son dévouement. En eux, elle donnera l'amour de Dieu qui grandit chaque jour dans son cœur de mère et lui fait endurer patiemment une nouvelle épreuve. Son beau-père menace de déshériter ses enfants si elle ne va pas vivre à ses côtés. Et Jeanne accepte. Et elle, la baronne, la dame, se soumettent humblement à l'insolence d'une gouvernante qui avait repris toute la confiance du vieux baron qui avait 5 enfants. Jeanne garde le silence. Elle pardonne. Elle aime. Elle retourne bien pour mal. Et dans toute la région, elle sera connue comme la bonne dame. Elle pouvait dire en vérité: j'ai eu bien des croix et de bien sensibles. Je me suis trouvée avoir le cœur fort maternel. Jeanne, une religieuse de cœur. Femme de tête, de gouvernement, elle aimait sa famille, les pestiférés et jusqu'à ses ennemis. Dieu préparait celle qu'il destinait à devenir la pierre fondamentale de la Visitation. Le 6 juin 1610 marque un seuil dans sa vie. Appelée à tout quitter, elle est prête à fonder avec François de Sales la Visitation. Elle pénètre avec 2 compagnes dans l'humble maison de la Galerie située sur le bord du lac d'Annecy. En suivant l'appel du Seigneur,
Jeanne de Chantal doit physiquement s'éloigner un peu de sa famille humaine. Mais elle reste pleinement mère, grand-mère, présente à tous les membres de sa famille. Un témoignage peut bien résumer tout ceci, celui de son fils aîné, Celse Bénigne, qui lui donnera du fil à retordre. Au départ de sa mère, il fait obstruction et son geste, celui de s'allonger devant la porte, a passé à l'histoire en faisant croire que la baronne de Chantal était une femme sans cœur. C'est ce même Celse Bénigne qui lui écrira la veille de son mariage. Admire la conduite de Dieu sur nous. Quand vous seriez demeuré au monde selon nos souhaits, que vous auriez pris tous les soins de nous avancer, que votre amour maternel et votre non pareille prudence vous auraient su faire inventer, vous n'auriez pas pensé à me loger mieux que je suis, Dieu m'ayant donné en mon mariage tous les avantages souhaitables à ceux de ma condition, de mon âge et de mon humeur. Quel merveilleux témoignage! C'est à toutes les étapes de son existence qu'on découvre en Jeanne une rare alliance de la femme de haute conscience humaine et de la chrétienne de foi totale. Jeanne de Chantal a pu aimer, en même temps d'un amour maternel, ses enfants selon la nature et les filles de la Visitation selon l'esprit de saint François de Sales. Cette sainte vigoureuse est très humaine, très proche de nous. C'est ce qui fait son charme et nous attire gracieusement. Ce cœur vigoureux qui aime et qui veut puissamment, c'est bien le cœur de Jeanne Frémiot de Chantal, comme le disait saint François de Sales. C'était sa race, c'était sa grâce. Une grâce éminente, greffée selon le mot de saint Paul, sur une race exceptionnelle. Elle a pu aimer amoureusement son père, son époux, ses enfants, ses amis, son unique père, saint François de Sales, ses filles de la Visitation, les pauvres, et en même temps n'aimer que Dieu. Comment tout cela pouvait-il s'accommoder? Il a plu à Dieu de faire mon cœur ainsi. Nous répondrait-elle avec saint François de Sales.